Jésus est venu. Jesus came. Et il a dit une chose. And he said one thing. Je ne vous laisse pas seul. I will never leave you. Mais je vous laisse avec le deuxième consolateur. I will leave you with the second consolation. Ce qui veut dire que si Jésus. Jesus, il a dit qu'il laisse le deuxième consolateur. He left us a second consolator. Cela veut dire qu'il est là. It says that he's here. Et si il est là. And if he's here. C'est lui qui règne. And he is the greatness. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. The devil cannot. Parce que le Saint-Esprit est là. Because the Holy Spirit. Si le Saint-Esprit n'est pas là. The Holy Spirit. Le diable va faire ce qu'il voudrait. The devil would have done what he wanted. À qui je parle ce matin. Who am I speaking to this morning? Il y a la conscience de beaucoup de personnes qui est morte. Qui est mort. The conscience of many le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is still mais there. Il attend une chose. But he's waiting on one thing. Toi. You. Toi. Amen. You. Toi. You. Toi. You. Toi. You. Toi. You. Qu'est-ce que tu dis? What did you say? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? L'église. The church. Elle a trois. Is the church. Trois choses. I will say three things. Qui est fondamental. Which is fundamental. L'église a un rôle à jouer. The church have a role to play. L'église a un but. The church have an objective. L'église a un devoir. The church has a work to do. Le rôle de l'église aujourd'hui, vous savez c'est quoi? The role of the church today, do you know what it is? Qui c'est qui peut m'aider? Who can help me? Témoigner. One witness. Non. No. Le but de l'église c'est quoi? The objective of the church is what? Témoigner. To be witness. Non. Isn't that so? Amen. Le devoir de l'église c'est quoi? The work of the church is what? Témoigner. To witnesses. Ah. Ce coup de pied, tu veux avec moi? Shake somebody and say, wake up. Wake up. L'église a un rôle à jouer. The church have a role to play. Témoigner. Witness. Le but de l'église. The objective of the church. Témoigner. Witness. Le devoir de l'église. The work of the church. Témoigner. Witness. Jésus a dit. Jesus said. J'ai vaincu le monde. Si moi j'ai vaincu le monde, vous aussi, vous allez vaincre le monde. Ce que veut dire l'église, ton rôle, c'est de témoigner. Le Dieu que je sais, il a vaincu le monde. Le but de l'église, c'est de dire, celui que je sais, il a vaincu le monde. Le devoir de l'église, c'est de rappeler. Jésus, il a vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, cela veut dire que je suis un vainqueur. Mais pour être un vainqueur, moi aussi je dois faire mon travail. Tu ne peux pas être vainqueur si tu ne travailles pas. J'ai dit, tu ne peux pas être vainqueur si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas être vainqueur si tu ne travailles pas. L'église aujourd'hui est en sommeil. Avant, on faisait des prières de prière. Before we did overnight prayers. 22 heures. Jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures. Just to 5, 6 o'clock in the morning. Mais tout le monde dit aujourd'hui. But everyone say today. Covid. Corona. Comme il y a Covid. Corona. Veillez le prière aussi. Veillez le prière aussi. Even to the prayer aussi. À Covid aussi. The Corona aussi. Mais si l'église. But if the church. Ne combat pas. Do not understand. Amen. Regarde quelqu'un. Look at somebody. Dis-lui. Say to them. Avant que Jésus parle. Before Jesus went. Il a dit une chose. He said one thing. Dans Actes verset 1 à 8. In Acts chapter 1. Il a dit. He said. Vous serez. You will be. Mes témoins. My witnesses. C'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit avant d'être mes témoins. Before I be my witness. Attendez. Et vous allez recevoir. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, là où vous irez, vous serez mes témoins.
Mais aujourd'hui, je pose la question. Combien de personnes qui peuvent dire le Saint-Esprit est actif en toi? The Holy Spirit is active in you. Amen. Combien qui peuvent dire cela? Combien de personnes qui peuvent dire que le Saint-Esprit est actif? Si le Saint-Esprit est actif, tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas accepter ce qui se passe. Tu ne peux pas accepter ce qu'on te dit. Parce que le Saint-Esprit lui-même, de la même manière que Dieu dit, le Saint-Esprit c'est pareil aussi. Parce que le Saint-Esprit et Dieu, il n'y a pas de différence. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit connaît ce temps-là. Il connaît ce moment-là. Mais il attend une chose. Il attend toi. Amen. Va dire à ceux qui restent chez eux. Go and tell them that are
Le temps de rester à la maison. The time that you stay pour le COVID, c'est fini. Amen. Je vais me lever et avoir un élément témoignage de ce Jésus. Jesus. Il reste le Tout-Puissant. He's the still of dans le ciel, sur la terre et sous la terre. In heaven, in earth, and beneath the earth. Tu dois give témoignage, testimony à ce Dieu, to this God. Beaucoup de personnes ont arrêté, they're stopped going to church parce que la vérité n'est pas prêchée, because the truth is not being preached. La vérité, the truth, c'est pas moi, it's for mais me. La vérité, c'est Dieu, it's for God. Dieu est capable. God is able. God is able. I said God is able. If you want to say, He is able to change, to change whatever the situation. What do you believe? Dieu n'a pas besoin. God do not need to send Jesus again. He sent the Holy Spirit. And the Holy Spirit is here. You know what happened this morning? You want to tell me what happened this morning? Dans cette prédication, in this meditation, j'ai écrit trois prédications. I wrote three things. Je vais t'expliquer quelque chose. I will explain to you. Est-ce que quelqu'un peut prendre une bassine? Can someone take un verre d'eau? A glass of water, empty. Avec une bouteille d'eau, de l'eau de robinet. Bon, je vais vous montrer quelque chose. With a pot. Can someone take an empty glass? Écoutez ce que je vais montrer ce matin. This is what I want to show you this morning. J'arrive. Oui. Vite. Empty. Vite. Oui, vite, c'est bon. Avec une bassine. With a basin and a bottle of water, please. I want to show you something. Ce matin que je suis arrivé. This morning when I came. J'ai dit bonjour à la sœur. I said good morning to the sister. It's too small. Non, de l'eau robinet. C'est trop petit. Je vous montre quelque chose. Quand je suis arrivé. When I came this morning. J'ai dit à la sœur bonjour. I said good morning to the sister. Je demande pour son mari. I asked for a husband. Et je vais le voir. And I went to saw him. Quand je vais le voir. When I saw him. Quelque chose se passe. Something happened. Quelque chose se passe. Something happened. La parole que j'ai écrite. The word that I wrote. Dieu l'a confirmé comme ça. God confirmed it like this. Hallelujah. Oh, amen. Amen. Dieu l'a confirmé comme ça. Jesus confirmed it like this. Comment il l'a confirmé? How did he confirm it? Tout ce que j'ai écrit. Everything that I wrote. Il est en train de me le raconter. He was telling me. Je lui ai dit arrête. I said stop. C'est ma prédication de ce matin. This is my message for this morning. Amen. Amen. Ce que veut dire mon frère, ma soeur. What I want to say, my sister, my brother. Les gens qui sont dehors. The ones that are outside. Ils ne vont pas venir au Seigneur. They will not come to the Lord. Si toi-même, if you, tu ne te lèves pas, et que tu ne vas pas témoigner de ce que Jésus fait dans ta vie. Parce que Jésus fait dans la vie d'une autre personne. Mais ce qu'il fait dans ta vie. Et quand tu racontes ce que Jésus fait dans ta vie, la personne va venir. Il va venir voir qui? Il va venir voir ce Jésus-là. Mais comme Jésus, il n'est pas matériel. Il est esprit. Et l'Esprit de Dieu va saisir cette personne. Et lorsque cette personne va être saisie, il va dire oui. Ah, Dieu m'a parlé. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci. Ah, merci. C'est de l'eau propre? Is it clean water? C'est bon, c'est bon. C'est robinet. C'est bon. Ok. Je vais te montrer quelque chose. I want to show you something. Alléluia. Alléluia. Je t'en prie. Quelqu'un a une pièce pour moi? Une pièce de. Anybody have a 2 euro? Une pièce, petite pièce de 5 centimes, 10 centimes. Merci. Ah, oh, c'est lourd, famille. C'est heavy. Ok, merci. I will show you something. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes you know why many people ne peuvent pas rendre témoignage? They
Satan cannot be witnesses. C'est pourquoi. You know why? Ton esprit. Your spirit. Il naît de nouveau. He's not renewed. 2 Corinthiens 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici tout devient nouvelle. Amen. Ça, c'est ton esprit. That is your spirit. Mais ton âme but your soul est ta chair. The flesh. Il ne l'est pas de nouveau. And it's not renewable. It's not renewed. La seule chose the one thing qui peut changer ton âme, that can change your soul, c'est la parole. Is the word. Ton âme est fermée ici. Your soul is enclosed. Ton âme est fermée par toutes sortes de poisons. Your soul is par toutes sortes de mauvaises choses. Par toutes sortes de mauvaises pensées. L'âme est fermée dedans. The soul is enclosed. Et la chair est là. And the flesh is there. La chair the flesh a des désirs have the contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que Paul nous dit au Galates. Galates 5. C'est ce qu'il nous dit. That's what ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te lever raise et aller en témoignage. And go and be je parle à quelqu'un ce matin. Am I speaking to someone this morning? Regarde ce que la parole fait ce matin. What the word of God doing this morning? La parole c'est l'eau de vie. The word is the water. Plus tu laisses la parole, more you let the word of God to pour on you. Watch. Oh, elle monte pas. It's not coming up. C'est trop lourd. That is too heavy. Alléluia. Demande quelque chose. Je pensais que c'était. Can you give me something else? I thought it would have come up. Demande. Ok, merci. Ton âme est ici. Merci. Your soul is this falls apart. Regarde. Plus la parole en dessous. More the word of God is coming in on you. What will happen? Elle retire tout le poison. It will take away all the poison. Toutes les mauvaises choses. All the bad things. Et ton âme biche. And your soul is living. Parce que ton âme était fermée dans quelque chose de la peur. Les choses de la vie. That's it. It takes avant de venir à Christ, before you came to Christ, tu as reçu beaucoup de poison. You received many poisons. Quand tu insultes quelqu'un, when you insult someone, qui t'a amené à insulter, c'est parce que tu as entendu. Because what you heard, qu'est-ce que la Bible nous dit? What the Bible c'est parce que nous mangeons que nous soyons. Because what we eat, that is mais what c'est ce qui est à l'intérieur et qui sort. Et la chose qui sort, ce sont les mauvaises choses. Ton âme est enfermée. Et quand ton âme est enfermée, tu ne peux pas aller en témoignage. Tu as besoin que l'eau, qui est la parole, puisse te remplir. Puisse te remplir. Plus que les choses qui sont mauvaises vont sortir et tu vas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce matin? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce matin? Tu ne peux pas rendre témoignage. Il y a trop de choses mauvaises qui sont à l'intérieur. Et ces choses mauvaises-là, ça empêche ta parole de te toucher. Dis ce matin à Dieu une chose. Je veux rendre témoignage. Mais on retire les mauvaises choses. Un homme ne peut pas retirer les mauvaises choses. Un médecin ne peut pas retirer les mauvaises choses. Seul Jésus. Et quand Jésus va retirer les mauvaises choses, la méthode est remplie. Tu as une nouvelle personne. L'esprit, écoutez, l'esprit est de nouveau. Mais tu as pris la décision de dire à la chair. Chef. C'est pas toi qui commande. Yes. C'est moi qui commande. Yes. Et quand tu dis à la chair, yes. C'est pas toi qui commande. Yes. C'est moi qui commande. Amen. Ton âme, your soul, va partir. Will go. Ton esprit, your va partir. Will go. La chair va rester là. Yes. And the flesh will stay. Je veux demander à quelqu'un ce matin. I want to speak to someone this morning. Qui est-ce que tu nourris le plus? Which one are you feeding the most? Yes. Oh, yes. Qui est-ce que tu nourris le plus? Which one are you feeding the most? Nourrir la chair. If you are feeding the flesh, c'est qu'est-ce que Paul dit au Galates 5. You know what Paul said in Galatians 5? On va le lire, on revient. We're going to read it. We're coming back. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un pour moi. Galates 5. Galatians 5.
16, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Je dis donc, I say that, marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. The lust of the flesh. Ce qui veut dire la chair a des désirs. Non? Amen. La chair a des désirs. Amen. The flesh have desires. Et comme la chair a des désirs, the flesh have desires, qu'est-ce qu'elle va faire? Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. And the spirit against the flesh. Et l'esprit a des contraires à ceux and de la chair. And these are contrary the one to ça another. Veut dire, mon frère, ma soeur, si tu es enfermé là, if you understand, my brothers and sisters, if you are closed, si tu es enfermé là, if you are closed in à quel moment tu peux te lever at any time you want to pour aller en témoignage, to go and be a witness, tu entends la parole, you hear the word, tu manges la parole, you eat the word, mais elle n'a pas d'effet en toi, but you don't have any effect, parce que tu es empoisonné. Elle dit tu es empoisonné. You are poisoned. Tu es empoisonné par quoi? You are poisoned by elle est empoisonnée. You are poisoned par celui dont l'homme a donné l'autorité. The one that God gave quand l'homme a donné l'autorité, si tu ne demandes pas à Dieu, si tu ne demandes pas à if Dieu God, de retirer ces choses-là, to tu ne peux pas prendre ton autorité et dire, je vais porter la parole. I will carry the word. Tu dois retrouver. You have to find. Tu dois retrouver you have to find ton that. Autorité que tu as perdue. Parce que pour parler à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, tu ne parles pas comme cela. La première chose qui va se passer, l'Esprit de Dieu qui est en toi, la parole de Dieu qui est en toi, il te montre comment parler à cette personne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de manière à ce que tu ailles directement là où la chose est difficile. Et là où la chose est difficile, c'est là où le diable garde la personne captive. Je parlais cette semaine avec un homme. Et l'homme me dit, il ne croit pas à la Bible. Il me dit, même toi, even you, on m'a dit que tu es pasteur, même si tu ne prêches, je ne vais pas croire. J'ai dit avec tout le respect que j'ai pour toi, est-ce que tu peux parler à un couillon? Can you speak to a fool? Ah, ça m'insulte là. Are you insulting? J'ai dit non, je t'insulte. I said no, I'm not insulting you. Je ne peux pas parler de la Bible avec toi. I cannot speak about the Bible. Parce que la Bible pour toi, because the Bible, c'est quelque chose que tu ne connais pas. It's something that you don't know. Mais je vais te parler de ma vie. Je vais te parler de ce que je faisais. Je vais te parler du changement. Il va dire arrête. Ne parle pas à quelqu'un qui ne peut pas accepter Christ que ce que Christ est. Parle de toi. De toi, la personne va accepter. Parce que la Bible nous dit une chose ce matin. Nous sommes une lettre vivante. Nous sommes une lettre écrite de la main de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu viennes avec la parole pour montrer à quelqu'un. Toi-même, la parole t'a changé. Toi-même, la parole t'a transformé. Toi-même, la parole vit en toi. Parle de ce que Dieu a fait de ta vie. De ce que tu as fait de ta vie, la personne. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que l'homme m'a dit? L'homme m'a dit, il travaille, il est chauffeur de l'esprit, il travaille dans le monde. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je comprends. Ta femme n'a pas peur de toi. Your wife doesn't have mais elle a peur de ce Dieu que tu parles. J'ai dit dans ton esprit. Tu comprends ce que je dis? Je reste toute la semaine et c'est le week-end que je descends. Et il m'a dit, ta femme n'a pas peur de toi, mais il a peur de celui que tu sais. Quand tu parles de Dieu, ne dis pas ce que Dieu est, mais dis ce que Dieu fait dans ta vie. Ta vie reflète la gloire de Dieu. Et Paul dit une chose. La Galate. Il continue, je n'ai pas fini, I'm not finished.
dit dans Galates 22. What he said in Galatians 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Écoute ce que je dis. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, love, patience. Qu'est-ce qui a changé? Something changed. On voit les fruits. Because of the fruits. Quelqu'un qui a changé. Amen, amen. Someone who has changed. Amen. And we see the fruits. Et quand on voit les fruits, tu peux rester malade. Quelqu'un qui n'a pas changé. Écoute bien ce que je dis. Quelqu'un qui n'a pas changé. Je ne dis pas que tu vas changer à 100%. Mais je dis une chose ce matin. Plus tu donnes la place à Dieu, plus la transformation. Plus tu donnes la place à Dieu, plus la transformation. Ce que je dis, si tu passais beaucoup de temps devant la télé, tu dois arrêter avec ça. Si tu passais beaucoup de temps sur ton portable, si tu faisais beaucoup de cancan, tu dois arrêter avec ça. Mais quand tu parles de Dieu, quand tu parles de Dieu, la personne qui est à côté de toi va dire quelque chose a changé. Elle peut manger les fruits qui sont en toi. Elle dit qu'il peut manger les fruits. Mais c'est pas parce que tu vas parler. Je vais à l'église. Je prie. Je connais la Bible. La personne va dire. Il n'y a pas de différence. But you know, no difference. Between you and me, there's no difference. You go to church just to hide. But you say to do the same thing as me. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un veut commencer maintenant? Amen. Est-ce que quelqu'un veut commencer maintenant? Amen. Nous sommes dans ce temps-là. We are in this time. Le COVID. The corona. Est venu. It came. Pour nous enfermer. To close us up. Et maintenant. But now. Qu'est-ce que toi tu dois faire? What do you have to do? Tu vas utiliser cette situation. You have to use this situation. Commence. Begin. À parler dans ta maison. To, in your home. Commence à dire. Begin to say. La nourriture que tu manges là. The food that I'm eating here. C'est Dieu qui me donne. It's God that gives me. Ce qui veut dire que lorsque tu t'assois. It's saying that when we sit down. Quand je dis on prie. When you say I pray. Tu dois baisser la tête. You have to bend your head. Cette maison là. This house here. Si on n'arrive pas à le payer. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui me donne la force. C'est Dieu qui me permet. Je veux dire, à partir d'aujourd'hui, si tu ne voulais pas venir à l'église, mais à cause du respect pour celui qui me permet de te donner à manger, pour celui qui me permet de payer la maison, tu vas me suivre. Si tu veux pas me suivre, la porte est ouverte. Le pasteur est méchant. Non, si tu ne parles pas comme ça, avec le monde, demain, les gendarmes vont venir chez toi. Monsieur, Olivier, c'est ici. Qu'est-ce que tu as fait encore? Tu n'as jamais parlé. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si Dieu me change, moi, je dois changer ma maison. I will change my home. Si Dieu me change, changed, je dois changer ma maison. Change Dieu va pas me changer la maison pour moi. God will not come parce que c'est moi qui suis le chef. Écoutez. Si Christ est mon chef, dans la maison, c'est moi qui suis chef. In the house, I am Christ va pas venir faire le travail que je dois faire. Come the work for you. Si dans la maison, il y a deux chefs, il y a un problème. Mes belles filles sont là. My daughter-in-laws, they're here. Quand l'homme arrivera à la maison, il n'y a pas grand et petit. Le chef, c'est moi. Eux, ils sont chefs de leur maison. Et même lorsque j'arrive chez eux, je reste toujours le chef. Tant que tu ne comprends pas, as long as you don't understand, avant de venir à Christ, before you come to Christ, la chair, the flesh, t'en permet, that have you closed, par quoi? By what? Par toutes sortes de mauvaises choses. All sorts of bad things. All sorts of bad things.
Regardez l'enfant. Watch a child. Mayoud, viens. Elle a 3 ans. She's 3 years old. La même chose qu'elle connaît. All the bad things that she knows. Excuse-moi. Toutes les mauvaises choses qu'elle connaît. All the bad things that she knows. Vous pensez que c'est son papa et sa maman. You thought that were her father and the mother that taught her. Elle va à l'école. She's going to school. Et regarde la télé. She looks at the television. Hein? Amen, amen. So? Ce qui veut dire. What it's saying. Demain lorsqu'elle va accepter Christ. Tomorrow when she will accept Christ. Il y a des choses qui sont là. There are things that are there. Qui doivent sortir. That have to come out. C'est pas lorsque tu prends le baptême. It's not when you baptize. Que les choses sortent. That the things will come. C'est pas lorsque le Saint-Esprit vient. It's not when the Holy Spirit comes. Pour t'aider à comprendre les choses. They help you. Que les choses vont sortir. That things will tu dois come demander out. À Dieu. You have to ask God. Enlève. Things. Les choses qui font obstacle. The things that are obstacle à ma progression. To my progression. Tu ne peux pas progresser. You cannot. Tu ne peux pas toucher quelqu'un. You cannot touch. À cause. Because. De ce que tu es enfermé. Because you are closed. Amen. Dis à quelqu'un ce matin. Say to someone this morning. Qui est-ce que tu nourris le plus? Who are you feeding the most? Regardez qu'est-ce qui se passe. Look what's happening today. There are plenty of people that want to serve God just for a title. Just for a title. But they don't want to hold. What did God say? What did God say? God did not say that because of nothing. Listen, the one that wants to serve you. Il va être éprouvé. Yes, amen. Et si Dieu dit cela, and if God says this, c'est parce que Dieu même, it's because God, il ne regarde pas à l'apparence. He doesn't look at the appearance. Il regarde au cœur. He looks at the heart. Et quand Dieu connaît ton cœur plus and que God toi, plus que moi-même, il te dit, he said to you, mon fils, my son, tu veux me servir? You want to serve me? Tu dis oui, Seigneur. I said yes, Lord. Regarde, qu'est-ce que beaucoup de personnes disent. Look what many people say. Oh, Psalm 37, verset 4. Psalms are the 7, verse 4. Regarde ce que beaucoup de personnes. Look what he said. Beaucoup de personnes disent. Many persons say. J'aime bien ce verset-là. Ah, fais de l'Éternel tes délices, et il va te donner ce que ton cœur désire. Oh, Seigneur, je fais de toi mes délices. Mais je veux, Seigneur, que tu me donnes une Mercedes. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Somme 37, verset 4. Tu ne travailles pas. Mais tu dis, Seigneur, tous les jours, je prie. Tous les jours, je prie. Tu es ma joie. Tu es mon amour. Oh, je t'aime. Mais Seigneur, je veux une Mercedes. Seigneur, je veux une belle femme. Tu travailles pas. Tu n'as pas de maison. Tu es pas mal chez papa. Tu penses que Dieu va répondre à cette prière? Quand Dieu ne répond pas à cette prière, qu'est-ce que tu dis? L'église n'est pas bonne. Et regarde qu'est-ce que Dieu dit. C'est pourquoi il faut lire la Bible par révélation. That's why we need to read by revelation. Nous sommes 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort. Tu ne travailles pas. Demande au Seigneur de te donner du travail. Tu veux une femme. Demande au Seigneur de te donner une maison. Recommande ton sort. Recommande ta situation. Avant de dire, je fais de l'Éternel mes délices. Recommande à Dieu ta situation. Les circonstances que tu vois là, les situations que tu vois là, Dieu les connaît. Et quand Dieu connaît ces situations, il te dit, recommande tous tes problèmes pour moi. Avant de vouloir la Mercedes là, commence à travailler. Amen. You have to work. Quand tu commences à travailler, but when you begin to work, n'achète pas la Mercedes. Don't buy the Mercedes. Seul dans le travail de Dieu. Do the work of God. Donne ta dîme. Give your donne ton offering. Enfant. Give your tithe. Et la Mercedes, tu l'auras. And the Mercedes, you will have. Dieu va vous permettre, écoute ce que je te dis. And everything beaucoup de chrétiens, plenty
donne pas leur dîme. Il ne donne pas leur offrande. Et ils s'étonnent. Le mois commence. Et le mois se termine. Ils n'ont pas d'argent. They are shocked that when the month starts and the month finishes, they don't have money. Amen, 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 amen. Tu veux être riche? You want to be rich? Tu veux être riche? You want to be rich? Hello, tu veux être riche? Hello, you want to be rich? Je te donne une clé ce matin. I give you a key this morning. Tu veux être riche? You want to be rich? Donne tout ce que tu as. Give everything you have in the house of God. Si Dieu garde tes affaires, if God keeps you, le diable ne peut pas venir voler ce que tu as. The devil cannot come and take what you have. Amen, 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 amen. Mais si toi, but if you, tu ne le fais pas, tu ne peux pas rendre témoignage. You cannot do it, you cannot be a witness. Amen. Alléluia. Quelqu'un est venu un jour. Someone came the other day. Il m'a dit. He said to me. Descends. C'est mon nom, c'est mon nom. Yes, descends. He said, descends. Comment tu as fait pour avoir tout ça? How did you do to have all of this? Regardé. I looked at him. J'ai dit, c'est Dieu. I said, it's God. Il m'a dit non. He said no. Ne me mens pas. Don't lie to me. Tu vois de la cocaïne. You were selling cocaine. J'ai dit, tu sais. I said, you know. Viens me voir. Come and see me. Et je vais te demander où je vais te montrer où je prends l'argent. And I will show you where I take money. Quand toi tu veux de l'argent, when you want money, tu vas apporter pour le sorcier. You will go. Go to the Obia man. Moi quand je veux, but me, when I need, que mon argent puisse grossir, for my money to grow, je le donne à Dieu. I give it to God. Il m'a dit, he said to me, explique-moi ça. Comment? Explain to me this how. Il a dit, je vais pas prendre la Bible. I said I'm going to take the Bible. Parce que tu vas rien. I'm not going to take the Bible because you won't understand. Le temps de Dieu, the time of God, n'est pas mon temps. It's not my time. Je dois savoir que tu. You need to know one thing. Si je crois dans sa parole, if I believe in His word, donner, He will give me en son temps. In His time. Alléluia. Ne va pas prendre la Bible. Do not take the Bible to explain to people who want to understand. Parle de toi. Talk to them about you. Je lui ai dit. I said to him. Des fois. Sometimes. Ma chair a envie de faire des bêtises. My flesh wanted to. Et il me dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Yes, tous les hommes sont comme ça. All the men are comme ça. J'ai dit, tu sais, j'ai donné ma vie à quelqu'un. He said, I give my life to someone. Et c'est lui qui me garde. And it's me. C'est ça alors. It's that. Je ne suis pas fort. Je ne suis pas fort. I'm not strong. Mais c'est celui qui est en moi. But it's he that is in me. Vous savez ce qu'on a dit ce matin? This morning, you know what I said? La chair a des désirs. Contraire à ceux de l'esprit. Contrary to the spirit. Quand tu veux lire ta Bible, when you will read your Bible, la chair dit non. The flesh say no. Quand tu veux prier, when you want to pray, la chair dit non. The flesh say no. Non. Amen, non. Amen, amen. Quand tu veux prier 3h du matin, when you want to pray 3 la chair dit je veux dormir toujours. The first thing I want to sleep. Yes, yes. Mais si ton âme, but if your soul est libérée, is free, ton âme va dire à la chair, your soul will tell the flesh, écoute, listen, l'esprit a parlé, the spirit has spoken, et moi j'ai parlé, and my tu obéis, and you, you must la chair obéit. Amen. Obéis. Amen. Ah. Alléluia. Si quelqu'un a compris quelque chose. Someone understand something. Amen. If you are not rooted in the
peux pas témoigner si tu n'es pas fondé if you're not founded in the word. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? What I want to say to someone this morning. Je ne te demande pas d'être un théologien. I am not asking you to be a theologian. Je te demande une chose. I'm asking you one thing. Ce que Dieu te permet de faire. What God allows you to do. La relation que tu as avec the relation that you have with him. C'est ce que tu m'as dit. That is what you need to do. Une personne. A person. On va le lire. We're going to read it. On va le lire. We're going to read it. Colossiens 2, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Fondé et enraciné en lui. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, le témoignage que tu dois rendre, the testimony that you have to give. C'est ta relation personnelle. It's your personal relationship. De la révélation de la parole. Of the revelation of God that God gives to you. Qui veut dire que si tu lis la Bible. It says that if you read the Bible. Pour toi. For you. Quand tu entends quelqu'un prêcher. When you hear someone preach. Tu dis ah Seigneur merci. He said thank you Jesus. Parce que j'ai entendu cela. Because I heard this. C'est une confirmation. It's a confirmation. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. Everyone that has a passport. Qu'est-ce qui est écrit sur le passeport? What is written on the passport? C'est écrit. It's written. Ton nom. Your name. Non. Your surname. Ta date de naissance. The date of birth. Là où tu es né. Where you were born. Et le pays. And the country. Qui a fait le passeport, non? That did the passport. Is that so? Non. Is it amen, so? Amen. Ce matin, je vais te dire quelque chose. This morning, I want to tell you something. On aime citer ce verset-là. We like to see this verse. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 6. 6. Verset 19. Verse 19. Qu'est-ce qu'il dit? What does it say? J'ai été racheté. I was bought. À un grand prix. With a great price. Je n'appartiens pas. I am belong to myself. Et là, and there, Dieu fait de moi son temps. God is doing with me this time. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur. What is saying, my brother, my sister? Le tampon que tu as. The stamp that you have. C'est ce tampon-là qui va te permettre d'aller au ciel. Amen. La Bible nous dit une chose ce matin. The Bible says one thing this morning. T'as été racheté. That you are bought. Et tu ne t'appartiens pas. And you don't belong to yourself. À un grand prix. With a et il te price. Dit encore plus loin. And to say how stop to you. Écoute ce qu'il dit dans Romains 8, verset 9. Romans 8, verse 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Mon frère, ma soeur, comment tu peux parler de l'éternité à quelqu'un si toi-même tu n'es pas sûr si ton passeport est vrai? Amen. Ton passeport est vrai parce que tu sais une chose, ce n'est pas ma volonté que je fais. Mais c'est la volonté de Dieu. Mais dans cette volonté-là, will, il y a beaucoup de combats. They have many fights. Alléluia. Dans ce combat-là, in this fight, Dieu n'a jamais dit God has never que je ne vais pas tomber. That you will not fall. Alléluia. Il a dit que si tu tombes, he said, relève-toi. Raise up again. Amen. 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 Comment quelqu'un fait pour tomber? How someone can fall? La chair, elle n'est pas morte. It's not dead. La chair, the flesh, elle est vivante. It's alive. Mais elle a le désir. But it has the desire. Contraire. Against. À ceux de l'esprit. To spirit. Quand tu regardes la télé. When you look at the television. Et il y a un acte érotique qui se fait. They have an act that is being done. Seigneur. Oh Seigneur, oh Lord, oh Lord. Il a fermé un œil. Oh Lord, il a fermé un œil. The flesh. Non? Amen, 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 amen.
passes par des combats. More you go through the battles. Tu passes par des épreuves. More you go through the. Tu vas grandir. You will grow. Quand tu grandis. And when you grow. Tu n'as pas besoin de combattre la chair. You don't need to fight against the flesh. Tu es déjà arrivé à un certain. Because you reached a certain level. Someone is here this morning. Someone is here this morning. La personne qui est là ce matin dont je parle. And the person that is here this morning I'm speaking. Ça fait un moment. It's been a while now. Tu ne crois plus. You do not believe anymore in these type of words. Le diable te tue. The devil will kill you. En te disant. By telling you. Tu as péché. You have sinned. Il n'y a pas de retour. They have no turning back. Quelqu'un est là ce matin. Someone is here this morning. Tu te sens. You're feeling. Plus capable. Or unable. De recommencer ce que tu faisais. To start over what you were doing before. Pourquoi? Why? La chose que tu as fait. The thing that you did. Le diable te tue avec ça. The devil is killing you with that. Sache une chose. But know one thing. Jésus Christ est venu. Jesus came. Non pour condamner. Not to condemn you. But to free the captives. Jésus est venu. Jesus came. Pour condamner. Not to condemn. Pour libérer. But to free the captives. Jésus connaît le combat que tu as. Jésus connaît la chair que tu as. Jésus connaît ton âme. Jésus connaît l'esprit. Et il te dit ce matin une chose. Ne reste pas dans ta situation. Relève-toi. 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 Va. Go. Confesse. Réponds-toi. Donne gloire à Dieu. Mais ne laisse pas le diable te garder captif. Aujourd'hui, on condamne trop. Tu es là ce matin. You here this morning? Parce que je peux voir ta main. Can I see your hand? Tu es là ce matin. You here this morning? Tu te sens condamné. You feel condemned. Pourquoi? For you? There isn't. Ma situation. My situation. Oh si les gens savaient. Oh if people knew. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Il n'y a pas gros péché. They don't have a big sin. Un petit péché. And a small sin. Tout péché c'est péché. All sin is sin. Mais tant que la grâce est là. But as long as the grace is here. Tant que la grâce est là. As long as the grace is here. There is a possibility to come back. Ne laisse pas le diable. Do not allow the devil. À fermer. To close you up. Si tu n'arrives pas à témoigner. If you do not testify. Il y a une situation. There is a situation. Qui t'enferme toujours. That is closing you up in your sin. Ce matin la parole est venue pour toi. And this morning the word came for you. Et la parole te dit ce matin. And the word is telling you this morning. La chose qui fait obstacle. This thing that was an obstacle. Une seule personne. To this one person. Tu peux la retirer. You want to take it away. Pour que tu puisses repartir de nouveau. So that you can start over. C'est la parole. It's the word. C'est Jésus. It's Jesus. Là où tu es. Where you are. Lève-toi. Raise up. And come. Beaucoup de personnes. Plenty of people. Que Dieu a appelé. God called you. Pour travailler. To work. Ils ne peuvent plus travailler. But they cannot work anymore. Dieu t'attend ce matin. God is waiting on you. Dieu t'attend ce matin. God is waiting on you this morning. Dieu t'attend ce matin. I said God is waiting on you this morning. J'ai dit Dieu t'attend ce matin. I said God is waiting on you. Tu penses que tu n'as pas envie de travailler? You think that you don't want to work? You think that you don't want to give glory to God? You want to be a witness to God? Moi je vais t'expliquer comment je fonctionne. I will explain to you how I function. Nous sommes là, on rigole. We are here, we laugh. Mais il faut que je parle de Dieu. But I must talk about God. Si tu ne veux pas qu'on parle de Dieu, if I don't speak about God, je prends mes affaires, je pars. I take my things, I go. Quelle que soit la personne la plus incrédule, whatever the person is doing, tu ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu. You cannot stop me from speaking about God. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? You know what happened lately? Un homme, a man, est venu m'appeler. He called me. Et il m'a dit. He said.
Hey, descends. Ah, descends. Le portable là. Le phone. Ça fonctionne. It's working. Sur les gens qui ont pris la piqûre. The one that the people's teeth. Je lui ai dit, je sais. I said, I know. C'est écrit sur la Bible. Il m'a dit, c'est écrit sur la Bible. Je lui ai dit, oui. He said, yes, it's written in the Bible. Tu vas dans Apocalypse 13. You read about the Revelation. Tu lis au verset 14, au verset 15, au verset 16. 14, c'est écrit. 15, 16, it's written. Quand il est rentré chez lui. And he went home. Il m'a appelé le lendemain. He called me the next day. Ma femme était là. My wife was there. J'ai oublié le verset que tu m'as donné. I forgot the verse that you gave me. Parce que ma famille veut savoir. Because my wife wants to know. Tu ne veux pas entendre parler de l'évangile. Tu ne veux pas entendre parler de l'évangile. You don't want to get to speak about the gospel. Même si c'est un mot. Never mind, it's one word. Ça va changer. It will change. La pensée que tu as. The mindset that you Et have. Et il a dit. And he said. La piqûre là. The injection. Je peux la prendre. I will never take it Parce que ça, this, même si ce sont des nanoparticules, mais on m'a marqué. But they marked me. Et cette marque-là, mark, quand je regarde qu'est-ce qui est écrit, 6, un païen qui a dit cela. A sinner that said that. Et il y a des chrétiens. And then Christians qui vont se faire piquer en plus. Pourquoi? Je ne peux pas voyager. Tant Dieu n'est pas capable de changer les choses. Amen. J'ai dit, tant Dieu n'est pas capable de changer les choses. Est-ce que pour voyager, tu vas te faire piquer? Mais lorsque tu vas te faire piquer, ne viens pas m'embêter. Pour prier pour ce que tu as pris. La marque que tu as pris, tu l'as pris avec conscience. Aucune prière ne peut déverser ce que tu as fait. Si je dois mourir, je vais mourir en Jésus-Christ. Si je dois mourir, je vais mourir avec la parole. Si je dois mourir, c'est mon temps qui est arrivé. Beaucoup de chrétiens ont arrêté de travailler à cause de ces choses. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. You are here. Je fais l'appel à toi. I'm calling you. Là où tu es là, viens. Right where you are, come. Tu ne peux pas rendre témoignage. You cannot be a witness. Quelque chose te tient. Something is holding you. Nous allons rentrer bientôt dans. We're gonna move it soon. La période d'évangélisation. Into the period of evangelism. Quand je regarde tous ces gens qui sont là. When I look at everyone that is here. Quand tu vois tous les gens qui sont là, je comprends. I understand. On ne doit pas faire des flyers pour inviter les gens. We don't have to do the flyers to invite people. Comme toute l'église est libre. Like all the churches are free. Chaque personne qui a rendu témoignage. Each person is going to be a witness that will bring someone. But you will see. Tu vas voir. You will see. When you will start. How much people will come. Cette parole que j'ai écrite. This period that I'm speaking about. It's a revelation that God gave to me. Tu ne peux pas rendre témoignage. You cannot be a witness. Si t'es enfermé. If you're closed. Tu dois être libéré. You need to be free. Une personne qui est prisonnier. One person that is in prison. Tu peux libérer quelqu'un qui est en prison. You can't free someone that is in prison. Hello. Hello. On ne joue pas ce matin. We're not playing this morning. This is seriousness. Il faut arrêter de fatiguer les pasteurs. You need to stop tiring the pastors. Parce que bien souvent, ce qu'on entend. Because often we hear. Ah, il a prêché. Oh, he sinned. Mais ça ne me concerne pas. But it doesn't concern me. Si ça ne te concerne pas. If it doesn't concern you. Où sont les fruits? Where are the fruits? Alléluia. Si ça ne te concerne pas. If it doesn't concern you. Où sont les fruits? C'est les fruits qui déterminent. It's the fruit that determine que ta situation va changer. If your situation must change. Un jour, moi, je vais partir. One day, I will go. Je
Pour l'instant, Dieu me dit de continuer, je continue. But for the time God said to continue, I continue. Et je parle when I, sous la conduite de cette personne. When I go, it's under the beaucoup d'entre vous qui êtes assis là. Plenty of you are sitting here. Capable. You are not able de rendre témoignage de Dieu. To be a witness parce que quelque chose est captif. Because something is keeping you captive. Il y a un homme. There's a man. Je n'ai pas de descendant. I will not give his name. Je parlais avec ma femme. I was speaking with my wife. Il a dit. He said. T.B. Joshua est mort. T.B. Joshua is dead. C'est fini pour la terre. It's finished for the earth. Ah bon? Il a regardé ma femme. I looked at my wife. Elle l'a rapproché. When she offered love. Je dis, tu vois, ce sont des hommes comme ça. I said, you see, it's the men like this. They are fanatics. T.B. Joshua. T.B. Joshua. Il avait une mission. He had a mission. Il a accompli sa mission. He accomplished his mission. Je l'ai appelé. God called him. Mais le travail continue. But the work continues. Oh, le travail continue. And let the work continue. Le Saint-Esprit est toujours là. Amen. Lorsque le Saint-Esprit va parler, là, on va dire, c'est fini. Amen. When the Holy Spirit is no more here, we can say it's finished. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont des fanatiques. But there are plenty of people that are fanatics. Si Ben Joshua did what he had to do. Dieu lui a donné la mission, Dieu lui a donné la puissance. God gave him a mission, God gave him a vision, God gave him power. Maintenant, no. Le travail doit continuer. The work has to continue. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas? Why you're not able? À témoigner. To be accessible. Même pas dans ta maison, tu n'arrives pas. Even in your own home, you can't. Ah, c'est mon argent. Oh, it's my money. J'ai été à l'école pour ça. I went to school for this. No. Quand tu donnes ta vie à Dieu. When you give your life to Christ. Tout ce que tu fais. Everything that you do. C'est par la grâce de Dieu. It's by the grace of God. Amen, 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 amen. Alors, so, Apostle Richard. J'ai fait un appel. I did a call. Pour ceux qui n'arrivent pas à travailler. For those that say they can't really work because something's blocking. No one came. Which is saying we don't need to do the flyers. We need to not do the flyers. We don't need to do flyers. We don't need to. Amen. Because the church is full. No, don't say amen. Si. If. The church. Every person has to bring 50 euros for your lines. Nous sommes sérieux. We are serious. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is here. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler? What is stopping you from? Qu'est-ce qui met obstacle dans ta vie? What is the obstacle in your life? Une femme est venue me voir. A woman came to see me. Elle m'a dit. She said to me. Je ne voulais pas me séparer de mon mari. I didn't want to separate myself from my husband. Maintenant qu'on s'est marié. By the time they were married. On a pris un crapaud. We saw that crapaud. Et on a mis un papier dans le vent du crapaud. And they put some paper in the belly of the crapaud. Et on a enterré le crapaud tout vivant. And they buried the crapaud alive. Et lorsque il y a eu des problèmes. And when they had problems, on a voulu aller chercher le crapaud. We wanted to search for the crapaud. Mais le crapaud a disparu. But the crapaud disappeared. Et aujourd'hui, ils sont séparés. And today they're separated. Quelle est la chose que tu as fait? What is the thing that you have to do that will stop you from going forward? Le diable ne demande que ce qui lui appartient. Money asks for what belongs to him. Amen, amen, amen. Ma mère c'était une femme. My mother was a woman. Elle est en Guyane. She is in French Guiana. Mais tu peux la voir au Suriname. But you can have her in Suriname. Tu peux la voir à Georgetown. You can see her in Georgetown. Tu peux la voir au Venezuela. You can see her in Venezuela. Tu peux la voir
quel que soit l'endroit. You can see them no matter the place. Mais tu sais comment elle est morte? Do you know how she died? C'est quelqu'un qui a appris la chose. Someone that taught her something. That's killed her. Ne sois pas quelqu'un de misérable. Don't be someone miserable. Dieu ne t'a pas appelé à cela. God didn't call you to that. Je ressens qu'il faut continuer. I feel that we have to continue. Combien de personnes? How many persons? Her courage fruits this morning. Tu veux porter du fruit? You want to take a fruit this morning? Ce que tu veux porter là. But the fruit that you want to take. Tu peux pas le porter. You cannot take it. Si ton esprit est pas. If your spirit is not free. Si ton âme est pas. If your soul is not free. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que le diable fait? What the devil do? Le diable attaque. The devil attacks. Ton esprit. Your spirit. Regarde. Oh, yeah. Look, tu veux prier? Pray. Et pendant que tu pries, and when you pray, tu vois que tu es en train de voler dans une bombe. You see that you're flying in the bomb. Even in the bomb. Mais tu pries. But you pray. You're praying. Is it that you? Le pire. The worst. Tu veux prier. You want to pray. Et tu vois une belle femme dans ta prière. And you see a beautiful woman in your prayers. Oh Jésus. Oh Jesus. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Où tu vois un bel homme dans ta prière? A handsome man. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Il a arrêté de prier. He stopped praying. Maintenant, il a pensé. Now your thoughts. Il a commencé à se nourrir. Will begin to feed. Quand ça va se commencer à se nourrir. And when it feed. Ah, tu dis c'est cet homme-là. It's this woman. It's this man. Non, je sais. In the name. Quand je prie. When I pray. Quand reste mauvais. No evil spirit. Il va venir will come and affect me. Amen, 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 amen. Mais comment tu peux prier comme cela? And how can you pray like that? Si tu es enfermé. If you're closed. Alléluia. Je veux voir les mains de ceux qui sont là. I want to see the hands of those. Dans ma feuille. In my paper. Le Saint-Esprit m'a dit deux choses. The Holy Spirit told me two things. De prier. To pray. Pour ceux qui n'ont pas for cette force-là. Don't have the force. De to be witnesses. Can you look at my paper? Is it written? Our the side. Sur le côté. Can you read? Et tu vois quelqu'un Richard. Je m'en pas. L'esprit m'en pas. It's written. José and it's written Richard. José doit prier pour les personnes qui ne peuvent pas en témoignage. L'apôtre Richard va prier pour les personnes dans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas actif. In that the Holy Spirit is not active. Amen, amen, amen. Parce qu'il écrit. Isn't that what's wrong? Dis fort. Say it hard. José, faire un appel pour le manque de pardon. Richard, un renouvellement avec le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas rendre témoignage. You cannot be a witness. Tu sais pourquoi? Do you know why? L'obstacle. The obstacle. De ta vie. C'est un manque de pardon. Is a lack of forgiveness. Dans Matthieu 6. In Matthew 6. Le verset qui suit, on sait le verset 7. The one that followed, verse 7. C'est ça? Is that so? When someone did you wrong, c'est it's hard to forgive him.
You grow. Tu grandis. You grow. Mais ça, c'est là. But that is here. Avec le Seigneur. With the Holy Spirit. C'est pareil. With the Lord is the same. Tu grandis. You grow. Tu es bloqué là. But you're blocked. Dieu t'attend là. God is waiting you here. Bloqué là. But you're blocked here. Because of forgiveness. Je fais encore mon appel. I want to once more my call. Dieu ne ment pas. God don't lie. Je dis Dieu ne ment pas. God don't lie. Je dis Dieu ne ment pas. I say God don't lie. Je dis Dieu ne ment pas. I say God don't lie. La libération est là. L'église, c'est pas un lieu de jeu. The church is a place of God. Vous je vous remonte encore. I will show you this. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. There are plenty of people that are here. Yo, vous voyez pas? Oh, you can't see? Ils sont là. They are there. Ce qui veut dire la chair. What it's saying is the flesh have all the control. Si la chair a tout le contrôle. And if the flesh have all the control. L'esprit mauvais. The wicked spirit. Il a autorité sur toi. Has authority over you. Tu entends la parole. You hear the word. Il a dit tu entends la parole. I said you hear the word. Mais tu dis pas à Dieu. But you don't say to God. Plus de toi. More of you. Plus de toi. More of you. Parce que lorsque tu dis à Dieu plus de toi. Because when you say to God more of you. Plus de toi. 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 More of you. J'entends, je connais. I hear, I know. Mais il n'y a pas de fruit. But there's no fruit. Il y a un manque de parfum. There is a lack of forgiveness. Quelqu'un te retient. J'ai dit quelqu'un te retient. I said someone pulling you out. J'ai dit quelqu'un te retient. I said someone pulling you out. La personne te retient. The person is pulling you out. C'est la personne qui a contrôle sur ta chair. It's the person that have control over your flesh. And the person take control of your flesh. Like how your soul is not free. Ne peut pas your obéir soul cannot obey l'esprit the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Je veux voir ta main ce matin. I want to see your hand this morning. Je veux voir ta main. I want to see your hand this morning. Je veux voir ta main ce matin. I want to see your hand this morning. Je veux voir ta main ce matin. I want to see your hand this morning. Tu ne peux pas. You cannot voir marcher avec quelqu'un. That you cannot give the word. Je ne peux pas avoir un ami. I cannot have a friend. And I cannot give him the word. Parce qu'il va me dire descends. Because he will tell me descends. Tu es pasteur. He was a pastor. Tu vas jamais parler. You never spoke to me. Alléluia. Et descends. Il y a trois belles filles là. You should have three beautiful women. J'ai laissé ma part à la maison. I said to him, mais I pas at home. Oui, je l'ai laissé à la maison. Not, she's not here. Moi, je l'ai laissé à la maison. I left parce qu'il y a quelqu'un. Because there's someone. Il me surveille tout le temps. Non, il me surveille pas, time. Il veille sur moi. Amen. That is guarding me. La chair veut faire des choses. The flesh wants to do bad things. But when you look to God, the Spirit will help you. Lève ta main seulement. Lift your hand this morning. Lève-toi debout. Lève-toi debout. Stand where you are. Stand. Mets-toi debout. Reste là. Stay where you are. Tu dois porter du fruit. You have to carry the fruit. Tu ne dois pas être quelqu'un inutile. You cannot be someone. Tu dois être quelqu'un utile dans le royaume. You cannot be someone unutilized. Regardez, la plupart des églises. Plenty churches. Qui avaient des serviteurs. That had servants. Ils ont tous disparu. They all disappeared. Pourquoi? Why? Frappe le berger. Frappe le berger. Strike the shepherd. Et le troupeau va être dispersé. And all the sheep will go. Frappe le berger. Hit the shepherd. Et le troupeau va être dispersé. And the whole sheep will go astray. C'est pas ce qui s'est passé avec Jésus. Isn't that what happened with Jesus? C'est pas ce qui s'est passé avec Jésus. Isn't that what happened with Jesus? Ils ont frappé Jésus.
They hit Jesus. Et tout a été dispersé. And then our apostles disappeared. Jésus nous a fait grâce. Lord Jesus, give us the grace. Il est revenu. He came back. Pour 3 mois. For 3 months. For 6 months. Il a parlé à ses disciples. He spoke to his disciples. Tu ne peux pas. You cannot carry the fruit. Tu ne peux pas témoigner. You cannot be a testimony, a witness, if your life doesn't change. We're going to do that prayer this morning. Avant que je fasse cette prière, before I do this prayer, the apostle will pray for the persons that the Holy Spirit became cool. That the Holy Spirit don't that the Holy Spirit don't use anymore. But then the Holy Spirit don't communicate with you nothing. There are plenty of persons that are in that situation. Can I see the hands? Plenty. The Holy Spirit don't use anymore. Plenty. The Holy Spirit don't have a spirit. Lift your hands. Lift your hands right where you are. J'ai juste demandé d'avancer. Just ask you to come forward. Avance, avance. Ceux dans le come forward, the ones that the Holy Spirit don't use anymore. And the apostle will pray. La semaine prochaine. Next week. L'apôtre va vous parler. Moi, je parle. The apostle will speak to you. Me, I'm speaking to the others. That's our compassion. On va commencer un jeûne. We will start a fasting. Du 15 juin au 15 juillet. Of the 15th of June to the 15th of July. On veut voir des salles. We want to see souls. Sort de ténèbres. That come out of darkness. Et viennent à la lumière. That come into light. Mais cela. But that cannot be only with the persons that are free. Sometimes we say it's the pastor. But I will tell you something. Normally with the apostle, we had to go preach at the Constantin. But if they call us somewhere else, because there is value, no?